we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Octobre, c'est déjà les derniers jours du Vlogtober. C'est passé vraiment vite. Hein. Bon, alors, comme promis, je reviens vous voir avec le résultat de un jour, un projet dont j'ai piqué l'idée chez Miss Manu au naturel. Et je viens vous montrer mon avancée sur la chaussette de l'avant. Et. La voilà terminée. Ah, c'est une méthode qui fonctionne bien en fait. Quand on a l'habitude de papillonner comme moi, on voit chaque projet avancer petit à petit, ce qui est très plaisant. Hein. Ne pensez pas que je vais arrêter d'être multi-projet. Au contraire, j'adore ça. Mais c'est vrai que c'est aussi très plaisant de voir tout à coup vraiment une grosse avancée sur un projet. Donc, je vous avais montré hier à la fin de ma pause de midi, que j'avais réalisé les petits oursons. Par la suite, j'ai réalisé le petit bout de jacquard. Alors ça, celui-là, il allait vraiment très vite puisque c'est vraiment un jacquard sur une dizaine de mailles, donc vraiment très répétitif. Et puis ensuite, c'est juste un jeu de diminution sur une façon à quatre zones de diminution, hein, puis vous tournez en rond. Donc c'est allé vraiment très vite et finalement, j'avais fini en milieu de soirée, il devait être quelque chose comme 9h, milieu de soirée pour moi c'est assez tôt, parce que je suis une couche tôt, donc vers 9h j'avais terminé, donc du coup je me suis fait le plaisir et finalement je me suis mis une règle supplémentaire, une règle plaisir, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai fini mon encours, si jamais un jour je finis mon encours du jour, le soir je peux papillonner, sur le projet que je souhaite et je vous montre puisque finalement j'ai décidé de tricoter un peu sur le projet que je vais tricoter aussi aujourd'hui. Donc je vous montrerai tout à l'heure à la pause de midi la façon dont je vais bloquer, laver, mettre à sécher tout ça puisque je sais que certaines d'entre vous me l'ont demandé j'ai hâte de voir si ce jacquard se lisse bien parce que pour l'instant c'est vrai qu'il est un petit peu, je sais pas si on le voit à la caméra mais il est si on le voit bien. Il est grumeleux, hein, comme souvent les jacquards, avant de passer à la au bain. Donc je vous montrerai, j'en profiterai pour tester la lessive à laine qui m'a été fournie par l'une de mes mercières locales. Et je vous en parlerai à ce moment-là. Et donc le projet du jour que je vais tricoter, c'est mon fameux Lighthouse Sweater qui, vous le voyez, a bien avancé. Et j'espère, alors c'est un petit peu l'objectif que je me mets aujourd'hui. Alors, objectif, un jour, un projet. Donc, aujourd'hui, ce sera celui-ci. Et si j'arrive à finir le corps et les côtes, j'aurai le droit d'aller papillonner sur le projet de mon choix. Donc, là, pour l'instant, j'ai 32 cm. Moi, j'aime pas les pulls quand ils sont trop courts. Généralement, il me faut une petite quarantaine de centimètres sous les emmanchures. Celui-ci, je l'ai essayé. Il dérogera pas à la règle. Donc, ce qui veut dire que, grosso modo, il me reste à peu près ça de jersey à faire, puis 5 cm de côte. Comme c'est des grosses aiguilles, hein, je le tricote en 5, c'est bien possible que j'arrive à le terminer le corps aujourd'hui. Mais en tout cas, alors, vous verrez mon avancée sur ma pause de midi, et demain matin, je vous montrerai si j'ai réussi à finir le corps. Je crois que vous aimez bien finalement ce principe de « je vous montre le lendemain ce que j'ai fait la veille ». C'est vrai que j'y pense pas forcément. Voilà, et puis avant d'aller travailler, je ne résiste pas à l'envie d'ouvrir mes petits paquets du calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui aussi, il y en a deux, c'est ce rattrapage d'hier et celui d'aujourd'hui. Et puis demain, il n'y en aura nouveau plus que un.
Alors, j'espère qu'ils seront plus à mon goût que ceux d'hier. Attention. Voilà l'ouverture. La primeur pour vous, comme d'habitude. Oh là là, que c'est coloré, tout ça. Alors, effectivement, voilà le jaune qui est là. Jaune, orange et alors, étonnamment, vert. Jaune, orange et vert. Un mélange totalement inhabituel pour moi, mais je ne suis pas insensible à celui-ci. Alors, on est totalement en dehors de ma zone de confort. Je ne tricote pas ce genre de mélange d'habitude, mais il me tarde de sortir de cette zone de confort pour tenter des nouvelles choses. Donc, je vous le fais tourner pour que vous le voyez bien. Donc, c'était le mini. Donc, je vous rappelle, c'est un calendrier de l'Avent de Tudor Rose Craft Création, mais vous avez le lien dans la barre de description. Donc, un calendrier d'Halloween avec 31 mini que j'ouvre avec délectation tous les matins avec vous pour vous faire partager ce plaisir-là. Et le deuxième mini, donc mini du 25. Voyons voir quelle couleur. Ah, du violet vraisemblable. Ah non, ben non, du bleu. Du bleu et violet. Alors, celui-ci aussi fait la transition avec d'autres. J'ai vu ces couleurs-là sur d'autres mini. Donc là, on est plus sur du bicolore. Hein. Donc, blanc et avec différentes intensités de ce fameux bleu violacé. Il me tarde de les avoir tous et de pouvoir jouer avec. Je vous le dis chaque jour. Mais voilà, donc celui-ci sera très facile à assortir puisque comme il n'a que deux couleurs, il sera ouais, très facile à trouver un petit qui irait avec lui. Donc voilà les deux couleurs du jour, très très différentes. J'avoue que ça me plaît plus que ce que j'ai ouvert hier. Ou alors peut-être que hier, j'étais tout simplement pas dans une humeur qui me permettait d'apprécier. Faudrait que je les ressorte. Si ça se trouve, je les apprécierais plus aujourd'hui. Donc voilà pour les mini du jour. Je m'empresse d'aller mettre tous ces deux ces petites merveilles dans mon vase qu'il faut que je protège maintenant parce que mon chat vient piocher régulièrement un mini et il le promène partout dans la maison au meilleur des cas puisque sinon... Il a tendance à ouvrir les mini. Une fois qu'ils sont ouverts, ça l'intéresse plus. Mais je crois que les chats et la laine, c'est une grande histoire d'amour. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Je vous filmerai mon processus de trempage, machin, tout ça. Et je vous ferai un retour sur le savon. Et puis, je vous montrerai mes avancées de ma pause du midi. À tout à l'heure. You like me too. We can take it slow. Make sure we do this right. Canceled all my plans to be with you tonight. Tonight. So just sit with me. Talking to the night until the morning. Building chemistry. Next to me, trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. You make me anxious. I think I might be stuck on you. I love the things you did, you did. Alors, je vous retrouve premier à la pause de midi. Pour vous faire un petit retour et notamment sur ce que vous venez de voir puisque j'ai testé
Une lessive donc qui m'avait été, enfin une lessive spéciale laine qui m'a été offerte par la boutique Passion L à Hirzing pour avoir mon retour d'expérience sur cette laine. Donc si tu passes par là, Rachel, je te fais un grand merci, un grand bisou pour m'avoir fait tester cette laine. Donc si jamais vous êtes dans le sud de l'Alsace, sachez qu'à Hirzing, vous avez une boutique qui s'appelle Passionnel et qui commercialise ce produit-là. Pour ceux qui ne sont pas en Alsace, les deux lessives à laine dont je vais vous parler maintenant se retrouveront bien sûr dans ma barre de description en dessous de la vidéo pour que vous puissiez aussi utiliser. Donc, premier retour, moi je suis très contente de cette lessive à laine. Alors déjà, première chose, c'est un, elle se dissout extrêmement bien dans l'eau. Bon, les autres aussi, vous allez me dire. En termes de senteur, elle a une odeur d'agrumes qui est très plaisant et très agréable. Et vous allez voir, mon autre lessive, moi j'aime beaucoup quand ça sent un petit peu les agrumes. C'est une lessive qui est spécialement développée pour la laine, le cachemire, l'angora, et enfin toutes les matières naturelles, et qui m'a beaucoup plu parce qu'elle garde le gonflant de la laine, là où certaines autres lessives auront tendance à vraiment la sécher et la rendre un tout petit peu rêche. Celle-ci reste bien gonflante et pourtant il n'y a pas d'adoucissant à l'intérieur, et je suis très contente du rendu. Le petit inconvénient par rapport à une autre lessive que j'ai, c'est que bon, oui, il faut la rincer. Vous verrez, moi j'utilise habituellement du soak. Celle-ci, la soak, on n'a pas besoin de la rincer. Celle-ci, il faut la rincer. Par contre, bonne surprise, elle se rince extrêmement bien. Moi j'avais d'autres lessives avant où il fallait rincer 3, 4, 5, 6 fois avant de faire partir le résidu de lessive. Ce n'est pas le cas pour celle-ci, donc elle s'appelle Ténémol. Elle se trouve à différents endroits. Donc comme dit, hein, si vous êtes dans le sud d'Alsace, chez Passionnel, si vous êtes ailleurs, je vous mets le lien en barre de description. Voilà, je vous invite à la tester. Elle est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Il ne faut pas beaucoup de produits en plus pour chaque utilisation. Donc, en termes d'odeur, franchement, vraiment agréablement surprise. Donc ça, c'était mon test. Et maintenant, je vous montre ce que j'utilise habituellement. Donc ce que j'utilise habituellement, que vous connaissez certainement déjà. Et je vous mets aussi le lien dans la barre de description. C'est de la lessive de chez Soak. Alors je l'utilise, celle-ci, déjà un pour son odeur, et alors j'aurais tendance à dire elles sont extrêmement proches en termes d'odeur. Donc moi, celle que j'utilise, c'est la senteur yuzu. Donc vous voyez les notes d'agrumes dont je vous parle, c'est exactement ce genre de senteur. Là encore, il en faut pas beaucoup, quelques gouttes suffisent. Je crois qu'à l'époque, il y avait une pub qui disait quelques gouttes suffisent pour. Je crois que c'était un produit vaisselle. Donc là, c'est produit pour la laine, soak. Et donc, celle-ci a l'avantage de ne pas avoir besoin d'être rincée. Mais bon, comme dit, celle-ci, elle se rince extrêmement bien. Moi, j'ai réussi à faire partir la totalité de la lessive en un seul rinçage. Donc voilà, si jamais vous devez entretenir vos ouvrages, déjà. Un, quand vous les bloquez, et ensuite quand vous les lavez. Donc moi je suis très fan, je connaissais pas Ténémol, je suis très très contente de l'avoir testé, et je pense que je resterai à l'avenir sur ces deux lessives pour alterner un petit peu, puisque même si elles sont toutes les deux en senteur d'agrumes, il y en a une qui est légèrement différente de l'autre, donc pour alterner. Donc voilà, ça c'était pour ce que vous avez vu. Je sais que vous avez été assez nombreuses à me demander comment je bloquais, comment j'entretenais. Voilà, je n'utilise pas ma machine à laver, ou très très peu, ou alors vraiment uniquement pour les chaussettes, parce que j'ai peur que ça déforme mon linge. Et même si si vraiment je dois l'utiliser pour une laine superwash et que j'ai pas le choix, je mettrai mon ouvrage dans un filet avant de le mettre dans ma machine à température basse. Donc moi, ma machine me permet de faire des lavages à 20 ou 30 degrés. Donc ne mettez surtout jamais
au-dessus et que vous sachiez ce qui feutre la laine, donc ce qui abîme vos tricots, c'est un, c'est le frottement que vous avez dans la machine. Donc là, vous pouvez mettre un filet pour les protéger, mais c'est surtout les chocs de température. Donc lorsque la machine va rincer le linge, elle va prendre de l'eau qui va être souvent froide, et c'est ce choc thermique qui va faire feutrer votre laine. Donc moi, pour éviter tout risque, hormis vraiment les chaussettes que, voilà, qui passent quand même souvent au lavage, et encore, quand j'ai le temps, je les mets à tremper dans un bac, c'est assez rapide, mais sinon, je les lave à la main. Donc ça, c'était pour le petit retour d'expérience. Et puis, moi, j'ai eu une petite bonne surprise sur ce que je vous ai montré ce matin. Donc voilà, on est à la pause de midi, j'ai un petit peu tricoté. Je suis désolée pour le bruit, j'ai mes enfants avec moi, et donc il y a un petit peu de bruit parce qu'ils sont en train de grignoter un petit dessert. Voilà, donc j'ai tricoté quelques rangs, et puis j'ai réessayé mon ouvrage, et il semblerait qu'il me reste 2 ou 3 rangs de jersey à faire avant d'attaquer les côtes. Donc finalement, il me restait bien moins à faire sur cet ouvrage que ce que je pensais. Ce qui veut dire que j'aurais bel et bien fini les côtes ce soir. Donc j'aurais atteint mon objectif, et donc je vais pouvoir me faire plaisir. Et avec quoi je vais me faire plaisir? Eh bien, je vais me faire plaisir avec un échantillon pour un nouveau projet. On ne se refait pas. Hein. Mais je resterai sage et je ne démarrerai le projet que lorsque, un, j'aurai trouvé la bonne laine pour le bon échantillon et tout ça. Et deux, lorsque j'aurai fini quand même 1 ou 2 ouvrages supplémentaires. J'en ai tout plein qui sont vraiment pas loin de la fin. Donc je veux quand même donner un bon boost, un petit coup de rapidité à tous mes encours avant de redémarrer un. Alors, pour ce nouvel ouvrage, moi je vais faire un échantillon avec une laine qui s'appelle Wild Wool, donc laine sauvage de chez Erica Knight, qui est une laine mélangée. Alors, il y a 85% de laine coriédelle. Donc ça, c'est une laine que je n'ai jamais, jamais, jamais tricotée de coriédelle. C'est une laine qui est plus sèche que de la mérino. Mais je veux en faire un gros gilet d'hiver, donc je ne le porterai jamais à même la peau, même si c'est une laine qui est sèche, mais qui ne pique pas. Donc elle s'adoucit beaucoup au premier lavage. J'ai eu l'occasion de toucher un échantillon chez ma mercière, et c'est vrai qu'une fois lavée, elle s'assouplit beaucoup. Donc 85% de coriédelle et 15% de fibres de viscose d'ortie. Et alors ça, c'est totalement hors des sentiers battus. Et vous savez, j'aime bien tester des nouvelles choses. Donc 15% de fibres d'ortie pour la résistance. Donc j'ai hâte de questionner ce nouveau projet. J'espère que l'échantillon sera bon, parce que je ne suis absolument pas dans les mêmes fils qu'utilisés par le patron. Je vous parlerai du patron quand je serai fixée sur l'échantillon, parce que en fonction de ce que je vais obtenir, je vais devoir peut-être changer de patron ou de design ou de modèle ou de laine. Je vais voir. Donc voilà, là on est sur une épaisseur worsted quasi à rang, puisque j'ai 170 mètres au 100 grammes. Alors c'est une laine qui normalement est tricotée en 5. Moi, mon patron appelle un échantillon, de le tricoter en 4,5. Donc je vais tenter l'échantillon en 4,5, parce que j'avais vu l'échantillon en boutique en 5 qui me paraissait légèrement déjaugé. Donc c'est pour ça que je me suis dit peut-être que ça pouvait passer. Donc j'ai 2 échantillons à faire, puisque c'est un patron qui est d'un côté en jersey et en point mousse, et sur la partie du dos il y a une texture, et donc il y a un échantillon qui est différent pour le dos que pour le devant. Donc j'ai 2 échantillons à faire. Youhou. Bon, après on est sur une grosse laine, donc pour faire 10 cm par 10, c'est assez rapide. Mais je vous parlerai aussi de ma surprise à la découverte du patron. Je l'ai acheté et c'est pas du tout le point que je pensais, mais le rendu me plaît, donc voilà. Donc j'espère que l'échantillon va être le bon. Voilà, c'est un gros projet, hein. Il me demande 1800 mètres de laine.
dans cette épaisseur-là. Donc je vous laisse imaginer l'ampleur du projet que vous verrez certainement dans les prochains temps sur cette chaîne. Donc voilà, bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vais donc finir de tricoter cette partie-là. J'espère vraiment, vraiment pas vous avoir raconté de bêtises et avoir fini mes côtes. Je sais qu'ils demandent un rabattage tubulaire, que je vais certainement faire un rabattage à l'italienne à la place. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de mailles à rabattre. Et donc ça prend un petit peu de temps. Donc... je ne sais pas si j'aurai le temps de faire les échantillons ou pas, mais ça, vous ne le saurez que demain. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à demain. Bisous, bye bye. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right.